Bonjour, c'est Julien. Figurez-vous que ce matin, je termine mon café Nespresso dans ma cuisine Ixena. J'embrasse mon épouse pour partir à la radio RTL, la première radio de France. Je ferme ma porte d'entrée, arrêt, fenêtre. J'enclenche mon alarme vérissure. Et là, au stupeur, je me retourne. Que vois-je? Notre Renault Zoé garé sous un arbre avec au-dessus une nuée d'oiseaux qui avait sali. J'appelle mon épouse, je prends mon iPhone, je lui explique qu'elle aurait dû se garer dans notre garage qui se ferme avec une porte automatique Sophie, Elle me raccroche au nez. Comment Comment se fait-il que Bouygues Télécom ait laissé faire une chose pareille J'appelle Renault Assistance, il me raccroche au nez. J'appelle Renault Direction pour leur dire que Renault Assistance m'a raccroché au nez, il me raccroche au nez. Je les rappelle pour leur dire qu'ils auraient pu tout de même m'offrir un véhicule neuf, et puis c'est moi qui leur raccroche au nez. Et puis vous savez ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai appelé mon ami Michel Welbeck pour lui dire de venir dans notre jardin faire l'épouvantail.